Eh bien bonjour, je m'appelle William, donc je suis auxiliaire de puriculture. Je travaille à la crèche des Iris depuis 3 ans maintenant et ça va faire 8 ans que je travaille pour la ville de Nice dans ce métier. Ah, il est vrai que le fait d'être devenu papa m'a vraiment cette fois fait découvrir ce qu'était la petite enfance. Et encore plus en amenant mes enfants à la crèche. Là vraiment, quand je suis rentré dans ces établissements, que j'allais dans la cour, je me retrouvais au milieu des enfants, je sais pas, je me sentais à ma place et puis je me dis, ben, je sais pas, pourquoi pas. J'ai réussi le concours, j'ai fait la formation d'auxiliaire. Dès que j'ai débuté ce métier, je me suis dit, ben voilà, ça y est, t'as trouvé ta voie. J'ai vraiment une réelle passion pour ce métier, s'occuper des enfants. J'avais besoin peut-être de trouver quelque chose où je me sentais plus utile, qui avait plus de sens pour moi. Et là, vraiment, aujourd'hui, voilà, quand le radio réveille, vraiment, le matin, je suis content d'aller au travail. On met la serviette à la main. Tu fais tout seul, tu jettes. Alors, mon petit. Allez. Je savais que c'était quand même souvent voilà, un métier qui était réservé aux femmes. Et on entend souvent que voilà, s'occuper d'enfants, c'est réservé aux femmes. Elle vient pas à côté, mais tu vois, elle essaye tout seul. Je suis sûr qu'Anaï, moi, elle arrive à manger toute seule aussi. Allez, tu essayes un peu? Allez. On me dit qu'on est content de travailler avec un homme, donc franchement, j'ai accepté de faire ce reportage parce que voilà, on est quand même en 2019 et malheureusement, en 8 ans que je fais ce travail, ça a quand même encore peu évolué. On doit être à peu près, je pense, 300 auxiliaires à la ville de Nice. On n'est que 3 hommes. Et je me tiens un petit peu informé de temps en temps. Est-ce qu'il y a, au niveau des stagiaires qui viennent chez nous, qui sont à l'école, est-ce qu'il y a des hommes dans votre promotion? Et ça fait pas mal d'années où voilà, c'est pareil, quoi. C'est soit très rare ou il n'y en a pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de surtout parler pour ça, pour un peu... promouvoir ce métier et puis voilà, confirmer que vraiment les hommes ont leur place. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort.